Ce message m'a été donné durant la Semaine Sainte, le 20 avril 2011 à 16h. Mes bien-aimés, mes tout-petits, recueillez-vous dans le silence de votre cœur en prière et accueillez. Accueillez tout cet amour que j'ai éprouvé pour chacun d'entre vous à l'heure de ma passion. Mes tout-petits, que d'indifférence, que de froideur, que de lâcheté, que de trahison, que d'abandon, que d'ignominie, à l'heure du Golgotha, comme à l'heure d'aujourd'hui. Combien mon cœur et celui de ma sainte et douce maman saigne toujours. Mes enfants, suivez votre maître, le sauveur du monde, l'Éternel, le Très-Haut. Lorsque vous souffrez, gardez en mémoire combien j'ai souffert, moi, l'agneau sans tache, immolé pour vous racheter. Le serviteur ne peut être au-dessus du maître. Si vous saviez combien est grande ma tristesse, je pleure sur la désolation de cette terre, créée pour votre bonheur. Mes tout-petits, passez en revue dans vos esprits le déroulement de ma passion de Gethsémani au Golgotha et représentez-vous combien il a fallu que je vous aime pour subir tous les affres de ma passion. Message donné le 2 avril 2012. Ô mes enfants, les bien-aimés de mon cœur souffrant, si vous saviez la langueur de mon cœur, si vous saviez l'horreur de mon abandon, si vous saviez ma tristesse et mes pleurs, alors vous comprendriez, vous, combien il a fallu que je vous aime tous et chacun en particulier pour venir accomplir la volonté de mon Père, ma volonté en notre esprit. Imaginez ma souffrance, ma terrible souffrance à Gethsémani, où meurtri en mon âme et en mon esprit. Je connaissais ce qui, malgré cela, me dirait non. Non à mon amour, non à mon sacrifice, non à ma passion. Non à ma croix d'amour levée sur le monde pour le sauver de la damnation éternelle. Je suis seule, recueillie. Ma souffrance est un glaive pour mon esprit. L'amour du Père plane au-dessus de moi. Je descends profondément dans les abîmes de la souffrance. Je voudrais tant que tous acceptent, mais pour beaucoup, la liberté tuera. Venez, mes tout-petits, avec les anges, avec les saints, vous prosterner à mes pieds, avant que ne commence pour chacun d'entre vous mon sacrifice parfait, mon oblation parfaite. Accueillez en vous tout cet amour qu'il m'a fallu pour venir embrasser votre condition humaine, vous sauver de votre perte éternelle. Venez, adorez. Prosternez-vous, faites silence, ouvrez vos cœurs et accueillez dans la louange et la jubilation l'espérance que je vous donne en ma résurrection. Je suis et avec vous, en vous, près de vous, autour de vous. Je suis votre tout pour l'éternité. Amen. Message donné le 26 février 2000 à 14h31. Mon enfant,
Ne pense surtout pas que ces mots ne viennent pas de moi. Je déverse dans ton cœur des paroles sanctifiantes, des paroles qui te renouvellent, des paroles de salut, des paroles de joie, des paroles de paix. Ne doute pas, mais viens plutôt t'abreuver à la source vivifiante de la très sainte Trinité. J'adapte à chacun de vos besoins une parole qui guérit. Ma miséricorde est grande. J'aime les hommes et les femmes de bonne volonté. Je connais bien sûr votre misère, vos faiblesses sont immenses. Et ma miséricorde est à la mesure de vos abandons, de vos lâchetés, de vos trahisons. N'étais-je pas tout seul à Gethsémani? Ma solitude, mon désarroi déchirait mes entrailles. N'hésitez surtout pas à venir vous réfugier dans mon très saint cœur, uni à celui de ma mère, votre mère de toute éternité, celle qui, au pied de ma croix, a versé des larmes de sang en voyant son fils, votre frère, jeté en pâture, lui, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Venez vous abreuver à cette fontaine d'amour éternel. Je vous le dis en vérité, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui passe par moi voit le Père, votre Père. Ne vous laissez pas envahir par le doute, la peur, le désarroi. Ce sont des entraves à tout l'amour que je veux vous donner. Mais ouvrez grand les portes de votre cœur. J'y verserai toutes les grâces de salut que mon amour miséricordieux veut y déverser. Je te bénis, mon enfant. Reste sereine et va.